Aujourd'hui, je vais vous présenter trois objets pour nos amis les bêtes. Et aussi pour vous. Bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir que nous possédons un chien. Enfin, c'est plutôt une chienne. Moon, 1 an et demi, brat de Weimar. Elle participe à de nombreuses de nos vidéos, puisqu'elle ouvre également ses bots, des bots pour chiens. Je vous invite à regarder la playlist sur la chaîne YouTube. Et donc, une marque est venue me contacter pour me proposer de tester et éventuellement de présenter des objets connectés pour vous et vos animaux. Pobo ! Enfin, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Ces trois objets, qu'est-ce que c'est? Il y en a un central et deux qui le complètent. Le premier, c'est la caméra connectée. Le second, ce sont des oreilles. Oui, des oreilles. Et le troisième, ça s'annonce plutôt pour les chats. Alors vous allez me dire, une caméra pour surveiller ces animaux. Et il y en existe vraiment beaucoup sur le marché et pas uniquement pour les animaux. Oui. Enfin, celle-ci a quand même une particularité, c'est que vous pouvez communiquer et interagir avec vos animaux. Communiquer et interagir. Et oui, votre animal, je pense qu'il est souvent seul à la maison. Et c'est là que tout se joue, puisque dans vos temps de pause, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur l'application et voir ce que fait votre animal, lui parler, jouer avec lui, interagir, lui donner des friandises. Si, si, vous pouvez vraiment faire tout ça. À l'aide de l'application que vous téléchargez gratuitement sur iOS et Android, vous avez accès à plusieurs fonctionnalités. Déjà, vous pouvez être jusqu'à 8 à communiquer et à utiliser l'application en même temps. Vous pouvez bien entendu capturer des vidéos et prendre des photos, sans oublier de les partager sur vos réseaux sociaux. La communication, donc vous pouvez entendre ce que votre animal fait et lui, il peut vous entendre puisque vous pouvez lui parler via votre téléphone, forcément. Le truc le plus cool que je trouve, et je pense que votre animal va l'adorer aussi, c'est le distributeur de friandises. Eh oui, depuis votre bureau, un seul clic et une friandise descend et votre animal est content. Ça rime. Et un petit plus également que j'ai beaucoup aimé, c'est le pointeur laser. Et oui, grâce à la petite télécommande sur l'application, vous pouvez diriger un laser. Les petits lasers, les petits pointeurs rouges. Et il y a également un mode automatique, et ça c'est vraiment cool. Et vous pouvez regarder donc votre animal jouer, donc c'est vraiment quelque chose d'interactif. Une interaction complète à longue distance. Et tout ça se fait très facilement, la connexion est très simple à réaliser. Et avec les petites oreilles, ça va vous permettre de diffuser une lumière légère pour attirer votre animal sans l'éblouir. C'est pas un flash qui va s'allumer d'un coup, ça va être progressif. Enfin bref, vous pouvez quand même surveiller votre animal, même le soir ou si vous avez laissé les volets fermés chez vous. Enfin, cette drôle de soucoupe volante, c'est simplement un jouet. Et oui, c'est additionnel à la caméra et vous pouvez également le faire fonctionner via l'application. C'est fourni avec plein de jouets, plein de plumes. Ça fait du bruit en plus. C'est bien entendu fourni également avec une télécommande et vous pouvez l'utiliser, donc comme je le disais, avec la télécommande quand vous êtes à domicile ou alors avec votre application si vous êtes au travail. Et bien voilà, en tout cas moi je suis très conquis par ces appareils qui sont très pratiques, très design, discrets dans votre intérieur. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez également des animaux. Et puis laissez un petit pouce bleu, like, commentez et puis partagez un max sur vos réseaux sociaux, la chaîne et les vidéos. Et nous on se retrouve très bientôt chez La Famille Edith sur YouTube, mais également sur Twitch en live, en solo ou en couple avec Céline. On compte sur vous. À ciao, salut les amis. Family.